always carries a cost. And my war on crime is no different. The truth is, no matter how hard I fight, sometimes I have to lose. In order to save Selena from this fate, I had to give myself up. My life for hers. Now, there's nothing to stop Harley Quinn and her crew from killing everyone at the Sanctus facility and stealing a virus that could wipe out Gotham. Meanwhile, I face the cold embrace. Et salut tout le monde, c'est Katas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Batman de telle série, l'épisode 4 de The Enemy Within, et donc plus ou moins l'épisode je sais plus combien sur la chaîne, donc s'en fout un peu du numéro sur la chaîne, l'important c'est que c'est l'épisode 4 de Batman The Enemy Within, et on se retrouve dans le froid, hein. Je pense qu'ils ont fait un bon résumé, donc j'ai pas besoin vraiment d'en faire un moi-même, les mecs ont tout résumé. On est dans le froid, il faut qu'on trouve absolument la solution. Ouais, bah à tous les coups c'est le MP, hein. Ouais, hein. Logique. Oh. Pirater le MP. Oh, ce téléphone du plaisir et du bonheur. Moi je veux le même téléphone, les mecs. Je vous l'annonce, je veux le même téléphone rouge. Rouge. Bon alors, tu cliques? Tu cliques? Ah, faut cliquer sur le... Ok. Très bien, je n'avais point compris. Ah! Là, c'est vert. Et là, Johnny, c'est vert aussi. Et là, c'est rouge. Voilà. Piratage réussi! Et bim! Petite vague d'annulation. D'annulation de rien du tout. De désactivation électrique. L'animation du froid, comme vous voulez. Harley had me thrown into one of Freeze's cryo chambers. Ouais, parce que rappelez-vous, okay. On s'était dénoncé, hein. Oh, well, that's a relief. I'm afraid I was starting to panic. Dans la hacienda. Is the pact still in the subway? No. I'm bringing the car around. Waller. Tell her the pact means to slaughter their way into Sanctus, and I'm going after her. What? They'll have you shot on sight. I'm not going as Bruce. It's time to let Batman handle things. Oh, il est temps de laisser Batman faire. On n'a pas beaucoup joué Batman depuis le début et c'est plutôt cool parce que là on était beaucoup avec Bruce et du coup ça sent quand même la scène un peu plus active qu'à l'accoutumée. Un peu de plaisir. Non, pas du tout. Du coup non, c'est pas eux. Je pense que non. Je pense qu'ils ne sont pas passés ici et que c'est probablement des mythes qu'on fait ça dans les murs. Il y a beaucoup de mythes ici, monsieur. Vous devriez appeler l'inspection. Et la peinture rouge, là, sur le mur. Vous êtes un artiste ou... le monsieur est probablement mort. On tire ou on le fait pas? Oh. Oh, ça, les mecs! Vous pensez pas à mon audit? Mon auditoire. J'ai voulu faire un truc court, c'était naze. Mon auditoire. Mes petits abonnés qui ont moins de 18 ans. Qui ont moins de 16 ans. Qui ont moins de 12 ans. J'essaye de réduire au fur et à mesure parce que c'est vrai que de plus en plus les gens ont des contenus un peu choquants, de plus en plus jeunes, quoi. Alors le petit mec avec les boyaux qui dépassent, on va dire que quand t'as 12 ans, c'est quand même un peu moyen, quoi. Après, c'est vrai que le jeu, il me semble, doit déjà avoir cette mention, de moins je ne sais pas combien. J'avoue que j'ai pas regardé du tout. T'es un peu glouki-glouque. Monsieur pleure, donc il est en vie. C'est déjà ça! Alors déjà, tu vas te calmer. Hop! Non mais, oh, tiens, je vais te foutre un coup dans ta gueule, moi! Mais qui essaie de nous tirer dessus?
Je vais bouffer tes yeux avec... Mais non, tu vas voir, qu'est-ce que ça va scanner. Soyons le Batman. T'as essayé de nous tirer dessus. Ah, il est mort. Ah non. Il n'est pas mort. Le mec a essayé de nous tirer dessus, il est pas malade lui. Je vais faire le Batman un peu brutal cette fois-ci. C'est bon, marre d'être tout le temps en mode on aide les gens et tout. Rappelez-vous, à la base ici c'est un centre un peu underground. Hein. C'est Sanctus. Donc un endroit où il y avait les hommes de l'homme, enfin les hommes de l'homme mystère du coup. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vas-y, je ferme ma bouche parce qu'elle m'énerve. Moi, j'ai pas envie de te parler. Tu m'énerves, sors de mon oreille. Le mec est trop vénère dès le début de l'épisode, quoi. Ça y est, il entre dans le costume de Batman, il fait son vénère. Ouais, c'est ça. Je vais t'enfoncer la tête dans le mur, toi aussi. Non, mais oh. Ok. Alors, on nous a mis 3 gars. Donc, c'est probablement le mec le plus éloigné, parce que sinon... sinon, à mon avis, il n'y a aucun intérêt, quoi. Genre, ils veulent qu'on regarde tous les mecs, mais en fait, c'est seulement le mec le plus éloigné, c'est lui. Ah, lui, on peut pas le scan ? Oh, il y a un type là. Genre un type en mode... Oh, une interaction. C'est lui qui a la carte. Bonjour. Elle est là. Trop bien. On est trop taqués. Oh merde, il est vivant. Ouais, on vient de tabasser le mec en haut, on va pas faire notre gentil là. Oui, je vais les arrêter, c'est logique. Nice. Bon du coup, est-ce qu'on peut quand même regarder les deux mecs devant, ils avaient peut-être un truc intéressant. Ouais, vu comment, vu où est localisée la blessure, à mon avis, c'est possible qu'il ait souffert quand même un peu. Hein. Pas de la même couleur que... Voilà, c'est ça, le mystère. Et lui, on peut plus. Très bien. Eh bien, activons cette carte... Enfin, activons ce passage avec notre carte d'accès. Trop bien. Ah, on les a trouvés. Mais vous pétez la gueule, moi. Je suis vénère aujourd'hui, j'ai dit. Oula. T'as raison. J'ai sauvé la vie. I'm on guard duty along with 3 gunmen who are all watching that door up ahead. Okay. If I hadn't stopped you, you'd be full of holes right now. We don't always see eye to eye. But I'd much prefer you in one piece. I'm just glad to see you alive. Same. After seeing them throw you in Freeze's meat locker, I wasn't sure if that was the end. Mais non, tu me sous-estimes. I've seen a lot of death recently. Harley encouraged Freeze and Bane. They killed anyone they wanted. I should have done something more to stop them. But I didn't. Le gros bourrin qui fait encore des conneries. Oh, mais tu es blessé. Whatever I have to do, they're not getting that virus. Whatever it is, I can do it. Good. We'll fight them together. Je pense que ouais, voilà, c'est ça. Elle aurait pas apprécié à mon avis qu'on la laisse sur la touche.
Elle aurait pas apprécié qu'on la laisse sur la touche, et puis il y a aucune raison. Et puis en plus, on serait tout seul face à tous les vilains. Bon, on a beau être Batman, on n'est pas le Batman. Le Batman du comics non plus. Faut pas déconner. On n'est pas immortel invincible. Genre le Batman de ouf, quoi. Celui capable de quand même foutre à mal la Justice League. On l'est pas encore, du moins. Alors, contre tous ces vilains, ça aurait été quand même un peu chaud. En plus, on aurait froissé un petit peu la fierté de Catwoman. Oh, tu m'as pas vu ! 1, 2, 3, soleil. Ne laissez pas les sbires vous voir. Bah, il a qu'à pas me regarder aussi. Tourne-toi ! Baisse les yeux ! Aveuglé. Ouais, pas mal ça. Du coup, on va profiter d'un effet de surprise pour les éliminer. Ça me semble être plus logique, une technique de... Une petite technique d'aveuglement. Ça ressemble bien à Batman. Quoi que vous me direz, l'électrocution aussi. I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. Big mistake. Le combat. The virus is almost extracted. Des persos féminins. What made you think you'd be able to stop all of this? Eh ouais. I wouldn't put money on your chances of walking out of here. Maybe we should try a therapy circle. I know all your tricks, Harley. Please. I know your type. You think you know me? But you're so... C'est toi, tu sais pas qui je suis. Allez, on va leur mettre leur dose. Un petit combat du plaisir. Il était temps. Oh là, les trois batarons quoi. Trop bien. Allez, bam. Oh, elle se les prend en pleine poire. Oh, le mec, on a rien à taper quoi. En même temps, c'est Bane. Allez! Bam! Bouf! Ça reste Bane, hein, faut pas trop déconner non plus. Je me suis trompé de touche? Non, non, j'ai eu la bonne touche. Électro-palais. Batarang! J'utilise pas l'électricité. Ah. Oh. Oh bah merde alors! Ça n'a pas marché. Non merci. Ah cool. Allez, montrons-lui c'est qui le patron. Aïe 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 aïe. J'allais dire montrons-lui c'est qui le patron, le mec nous renverse. C'est terrible. Ah! Tiens, bouffe! Batte-moi ton bâton électrique toi là. Oh trop classe. Oui. On est obligé de le subir, c'est un peu chiant. Aïe 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 aïe! Le mec est trop fat quoi. Oh ça pue! Oh ça pue! Oh! Oh oh oh! Trop drôle, il nous aide. Qui l'aurait cru? Allez, tiens! T'as à prendre la vie, moi! Tiens, bouffe, tiens, bouffe, tiens, bouffe, tiens, bouffe. Trop bien. C'est trop bien. Ah. Oh, Y. C'est pas souvent qu'on l'a celui-là. Ah mince, j'aurais voulu forcer pour pas qu'il le prenne. Ah, il le prend quand même. C'est terrible, du coup, il va nous mettre notre. Il va nous mettre notre dose. Et notre QT Ben. Ça semble plus logique, hein. De mon point de vue. Essayer d'éliminer au maximum Bane, quitte à l'affaiblir, sachant que j'aurai probablement moins de mal contre Freeze après. Oh, ce combat du plaisir, quoi. Trop bien. La scène d'action qui nous manquait depuis un bon moment. Puis ce qui me rend ouf, surtout, c'est que ce matin, j'ai vu une vidéo passer sur Twitter, en mode, les gens qui font du... Comment ça s'appelle déjà
Vous savez, qui font du... Pour les jeux et les films, qui font du... Ah, comment on dit ? Qui font grosso modo les scènes et ensuite y a, c'est reproduit en animation, quoi. J'ai plus le nom exact de ce métier. Mais ça me rend ouf. Parce que sur ce jeu-ci, spécifiquement, il y a eu certaines scènes... Proche les bains. Qui ont été tournées. Par ces mecs-là. Et quand on voit les mecs, les vrais gens finalement, qui font les cascades et tout, ça rend les scènes encore plus épiques quand on les voit dans les jeux vidéo. Alors j'ai pas vu celle-ci spécifiquement, mais j'en ai vu une que je suis pas capable de replacer par rapport au jeu. Hein. Mais en sachant que derrière il y a des vrais acteurs qui font toutes les cascades et qui font toutes les bastons et tout, je trouve ça vraiment ouf. Allez vas-y, bouffe. Encore plus ouf finalement les scènes quand on les voit comme ça du coup. Ah merde. Ah! Elle s'échappe! Merde! Puis elle a laissé John tout seul. Et puis lui est infecté. Bon alors là. Mais la scène s'est complètement barrée en nouille. Not anymore. La scène s'est complètement barrée en sucette quoi. Et elle s'échappe. Pendant que j'étais en train de raconter mon truc. Bon là, faut qu'on permette à Catwoman de s'échapper. Carrément, ouais. Ah, mon bouc émissaire. T'étais où pendant que j'étais en train de combattre tout le monde? Oh, Batman, The Telltale Series, The Enemy Within. C'était trop bien comme fight, j'ai kiffé de ouf. Ah là là, la hype remonte d'un coup quand c'est comme ça qu'on commence un épisode avec ce genre de scène. C'est trop trop bien. Centre de recherche de Sanctus, 21h06. Trop trop bien. Chris Schroyer. And Patrick Day. Alfred, Christopher Reeves. Call Tiffany and tell her to get to the manor. Harley escaped with a virus. Oh merde. Et ouais, merde du coup. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait... un moyen de l'arrêter, quoi. Merci. Tu vas te calmer, toi. Harley escaped with the Lotus virus. Your girlfriend Catwoman is nowhere to be found. Ouais. Same goes for your boy John. Ouais. Good work means half the pact is loose in Gotham, and we've got a megavirus in the hands of a psychopath. Then yes, this is picture perfect. Enfin bon, encore une fois, tu es où, toi? Oh, I think of some more colorful words. Eh bah tiens. You didn't offer much help. It was up to your people to stop them. I did my is job. Is that so? Both of you, ouais. Please. Sanctus, right under our noses all this time. Chemical weapons, human experimentation. Sanctus is the darkest part of the agency's history. Oh, this place is just evil. And that's why we're shutting it down once and for all. We can take some of this equipment and comment ça? Good use. Non. This facility needs to be burned to the ground. I don't want so much as a trace of it left in my city. Carrément pas, ouais. Why don't you let me worry about that, Batman? Toi, t'as voulu utiliser. Elle a pas appris. She's out there with the virus, and that's a elle a pas appris des leçons du passé, quoi. Simply can't allow. Freeze must have an idea about where she'd go in these circumstances. Don't waste your time with that maniac. He'd say anything to throw us off track. But he's our best lead. Well, I disagree. Freeze is nothing more than a science experiment gone awry. You best keep your focus. Elle devient complètement débile ou quoi? Before anyone else gets hurt. Genre, elle rejette les bonnes idées, elle veut récupérer le... Elle veut récupérer les appareils pour pouvoir être capable entre guillemets de refaire le virus. C'est pas ce qu'elle a dit mais c'est ce qu'on lit entre les lignes. De toute façon j'aime pas Waller. Voilà. Je devais encore appuyer sur ça mais... Listen. Director Waller may think it's a waste of time. But I say leave no stone unturned. I'll see what I can find out. Ok. Hey Will, give me a hand with this, will you? I think there may be something we can salvage back here. Là, là, ou peut-être là, ouais, viens quoi.
Et nous on est en mode pipili pipi. Tu peux cliquer quelque part, donner du virus. Ouais, parce que du coup elle est contaminée. Le mec qui fait semblant de taper. Batman, have you come to gloat? To revel in what you've done? I feel sorry for you. I don't enjoy seeing anyone reduced to this. Spare me your pity. It changes nothing. I'm here to talk about Harley Quinn. I need your help to find her. If you want me to tell you what I know about Harley, I'm going to need something from you in exchange. Je te laisse la vie sauve. Bon, d'accord, je suis Batman, tu sais que je te tuerai pas. Virus living inside me. They mean to study me. Given the chance, I could beat this just like Riddler. He became stronger for it. You're saying Riddler became infected with the Lotus virus when he worked for Sanctus. If he could survive it, I believe I can too. That dial, there. They've keyed it into the temperature regulators in the airlock. All I need from you is to turn that dial. Let my body do the rest. Donc en gros, on baisse la température. On lui donne une opportunité pour s'enfuir. Et par contre, t'as plutôt intérêt à me donner des... J'ai besoin d'informations. I'm so glad you're agreeable. The truth is, the Lotus virus doesn't have to be this. Riddler's blood can turn the virus into something that can heal. Ah, pas mal ça. Why we stole his body. Why your friends in the agency had it on ice. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant. My Nora will perish if I don't use Lotus to save her. En gros, il veut le Lotus parce que le Lotus peut soigner. Peut soigner et ensuite tu peux te servir du sang de l'homme mystère comme antidote. Au virus. En gros. She'll go for the body first. That's how you will find her. I already have samples of the blood. Look for a temperature controlled container. Now, you have what you came for. Okay. Please, do as you promised. Bah, je lui ai dit, donc je le fais. Hein. Je le fais. Je suis fier. Il m'a donné les infos, même si je sais que c'est une mauvaise idée et qu'il risque de pouvoir s'enfuir. Je peux juste pas le laisser mourir comme ça. Et puis en plus, je suis sûr que ça va agacer Waller. Donc dans l'idée, ça me va. Je suis fier parce que je le laisserai pas mourir. C'est un personnage que j'aime bien. Que j'aime bien, même parmi les méchants en fait. Parce que pour moi, c'est pas un vrai méchant, entre guillemets. Même s'il fait des trucs très sales. Et que du coup, ça fait de lui un vrai méchant. Ses motivations sont nobles, entre guillemets, même si ses actes ne sont pas justifiables. Bah oui, carrément. Which would explain why she steered you away from Freeze. Waller always operates on some hidden agenda. Yes. Surprised you're only just realizing. I guess I'm not. Just realizing, that is. I guess I just have blinders on when it comes to people I look up to. Et là, bah, nous la foutre complètement à l'envers et ça va être Avestella la méchante, vous allez voir. We could use Bruce on this one. The less attention we draw to ourselves, the better. Et au courant. C'est chiant ça. What does that mean? If Harley sees Batman coming, she may do something drastic.
But if she sees Bruce, tout le monde est au courant dans l'agence, là? C'est l'histoire. You don't know I'm the one that told Waller who you really are. Are we all good? I'd like to clear the air, in the interest of full transparency. I'll learn to live with it. Okay then, we've got work to do. Pas pour ça que j'apprécie son geste. Épisode 4. What ails you? What ails you? What is your quest? I suppose I should have seen this coming. She's become more and more erratic since she came to Gotham. I hardly know what she's going to do next. Harley? No. Director Waller. I'm not used to her keeping me out of the loop. Ouais, mais elle est mauvaise. Ah, damn! Ow! Ah, the hell is wrong with this thing? Damn it, sorry. I've got a passive anti-surveillance system running. It must have triggered your... What did you say, Bruce? Looked like you were speaking, but can't hear so well without these. I was saying I'm sorry. Crappy agency technology. C'est quand même un peu notre faute si elle a souffert. Not your fault. You know what I mean. Look, it's fine. I'd just rather not talk about it. I have to admit, a part of me was sort of hoping we'd be taking the Batmobile. Genre sans être en costume de Batman. This car isn't great. But, you know, it's no Batmobile. Well, maybe next time. Oh. So there's going to be a next time. Ok. Je voulais juste pas lui dire qu'on était dans la Batmobile, c'est bon, elle a pas besoin de tout savoir. I prefer to think of it as a mission. Do you ever question it? Not the mission. I mean, the methods. The clandestine nature of what you do. The fear tactics. The occasional brutality. No judgment. No. Never. Damn. Je sais que Batman peut avoir certaines versions. Enfin, je sais que Batman a une à certaines versions où il doute de sa croisade. Mais j'ai plus envie de partir sur la voie du. Yeah, it's Waller. La voix du Batman sûr de lui, quoi. Faut montrer qu'on a confiance pour qu'elle ait confiance. Si nous on n'a pas confiance, elle peut pas avoir confiance en nous, c'est pas possible. Maybe I shouldn't have brought this up. You should trust your instincts. They're what make you good at your job. I'm glad to hear you say that. It bothered me when she allowed the pack to obtain Riddler's body. Wait, that was intentional? D'accord, très bien. I've had deep reservations about Waller. Can't believe I just said that out loud. She cannot know this. Any of it. Yes. Yeah, here's the problem with that. I think she already does. Oh, ça c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, il nous faut une taupe. Quelqu'un en qui elle a un peu confiance. You sure you're okay to do this? Quelqu'un à l'intérieur qui pourrait nous aider, quoi. Gordon's case files about Harley. Her father suffered from mental illness that eventually drove him to suicide. An illness with a strong hereditary link. It's very possible she wants this serum to prevent the same thing happening to her. Wow. Comment il nous justifie la folie de Harley Quinn? Quel dommage. J'aime pas trop ça. C'est bof ça. Genre moi j'aime beaucoup la version originale entre très gros guillemets parce que des versions il y en a autant que d'écrivains, mais que de scénaristes. Mais en l'occurrence, j'aime beaucoup la version où Harley Quinn devient complètement tarée parce qu'elle est la psychiatre du Joker finalement, et le Joker là. If she has Riddler's blood, she'll be. Le Joker lui fait complètement perdre les pédales. You don't need to tell me. She tried to freeze. Là, le fait qu'ils essaient de justifier sa folie, je trouve ça un peu dommage. Allez, go. Bam. Oh. Très bien. She must be gone already. D-
Do you think that means she already has the vials? I don't know, but it's worth a look. Maybe she got scared off before she could find them. Une fois ces fioles, du coup. Ramasser. Alors du C4, tout va bien. C4, plastic explosive. Only a little though. Must be remnants from something bigger. I don't remember Bane making bombs, and it doesn't match Freeze's MO. Who then? Harley? John? Pourquoi even pas? Money on both. Bah, carrément. Des bombes, ça serait plus. Bah, le Joker, ça leur. Enfin, John. Ça leur semblerait pas genre juste des bombes simples de C4. Il faudrait que ce soit des bombes un peu plus funky. Genre qui font des ah 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 ou qui balancent du gaz hilarant. Un dispositif. On peut pas le ramasser. C'est bizarre. Capsule. On the side here, someone's damaged this. Quelqu'un a tapé de son crâne sur le sur la capsule. Waouh. Bah c'est probablement bloqué avec le dispositif, mais si on peut pas le ramasser, c'est chiant. Ah, bah ça marche. On était juste un peu trop loin. Très bien. Très bien, très bien. A liminal device. Some agency field ops are issued one, and if they left it, they must have been rushed. Okay. An agency team has been here. Okay. C4 doesn't seem like agency issue. Donc l'agence. No. But with Waller these days. Haha, le C4. Et les colliers pour la Suicide Squad, les colliers de C4. Serait-elle en train de préparer sa Suicide Squad? Le C4, ça ressemblerait bien à l'agence. L'agence est passée par là, on a un dispositif. Oh bah, qu'est-ce qu'on a fait? Et le C4, c'est louche quand même. Ça fait très très penser au collier de C4 de la Suicide Squad. Moi je dis. Et par là, j'entends pas le film, hein. Calmez-vous. Calmez-vous tout de suite. Oh god. I thought this thing was supposed to preserve him. Obviously, it failed. C'est pas l'épisode du glamour, hein. Decomposition is actually entre le monsieur coupé en deux et le cadavre décomposé de l'Enigma. If that's the case, then they were trying to destroy the body. It's textbook asset denial, but it's some sloppy work. Donc en gros ils se sont servis, ils veulent détruire le corps. Ils veulent détruire le corps. Oh Glouk, j'ai pas enfoncé mon doigt quand même. Bruce, why? J'avoue c'est dégueu. Pourquoi j'ai fait ça? Rapid decay. I wonder if that's a side effect of the virus, or being in that capsule, or both. En plus, ce souhait, j'aurais pu essayer de trouver une justification en mode j'essayais d'estimer à quand. Dans combien de temps le machin s'est décomposé, quoi? Alfred, I did a bioscan of Riddler's corpse. I'm sending the data to you. The body is breaking down, so do your best with it. Received, Bruce. It's. Donc en gros, on va essayer de réanalyser la composition du sang pour pouvoir faire nous-mêmes le vaccin, ça. Le vaccin au virus. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Une boîte? Damn it. What is it? They're gone. The vials are gone. So, we're having a pretty good day. They ruined Riddler's body and the vials are gone. C'est pas très bien ça, c'est pas très pratique. Haha, Sienda. So, Waller takes the blood and has Riddler's body destroyed. Ah, c'est Waller, ouais. C'est Waller qui s'empare du sang. That would make her the only player who could create a viable Project Lotus sample. Having all the pieces to the puzzle. Oh my god. Pas très surprenant, Van Bruce. The pact all had problems. Medical problems they needed solving. And if Waller's the solution, she can make them work for her. Genre Nora, l'addiction au Venom et le problème mental de Harley. J'ai l'impression qu'il est hyper speed l'épisode. J'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe.
Ok. Eh, tout doux, là, t'aurais pu au moins... soit tu défonces la porte et du coup tu fais l'effet de surprise, mais... t'entres pas comme ça, quoi, what the fuck. On dirait, c'est peut-être John. Hein. Ah bah, c'est John. Complètement beau, le mec. Avec de la cerveza. En fait, il est pas complètement bourré. Eh oui, parce qu'on est vivant, mon pote! Oh, il en a eu au bain-droit. We've been formally introduced. Doe. John Doe. She's a friend, John. Our friend. I had a friend. It didn't work out. Parle de moi. Hey! Hold on. Are you two timing cat lady, Bruce? What the fuck? She was here. Which she was here? Yeah. Where is she now? Le mec, il va se vomir dessus, quoi. Important. You got some real nerve. You know that? Buddy. Ça commence à chauffer entre les deux. Just manipulate her, John. Then I stuck my neck out for you. Way out. Bane nearly ripped my head off. And for what? She flew the coop. I have nothing. You steered me wrong. At every turn. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Piece of advice. Everything blew up in my face. I was honestly trying to help. Well then. Je suis pas convaincu qu'il y ait de bons choix. We need some real answers, Bruce. No point. It's over. The pact, the dream, us. Not yet. It's not. She's still out there. Voilà, laisse pas s'approcher d'un pistolet. A city full of innocent people. Call me when you got something I care about. Always surprises me how heavy guns are. John, stop, please. Stop, stop. Yeah, actually, that's not a bad idea. Ok, on a réussi à l'arrêter, c'est déjà ça. Well, on n'est pas obligé de lui tirer dedans. Non, non, mais par contre, j'ai besoin de tes infos. Bad memories and a weird smell. John, I understand you want to run. I've run before. But problems, they just come with you. No matter how far you go. Nope. Pretty sure you can get away from that smell. Damn it, John. Listen to me. I need to find Harley. I don't want to do this anymore. Not for you. Réveille-toi. That's a wake-up call. Fine. The agency was here. They took the blood while I was up here. In my dark place. Then Harley showed up. The blood was gone. Riddler's body ruined. She was furious. That's how I got this. So, thanks for the slap. Faites réveiller, Coco. Do you think Miss Quinn is now? We'd like to find her sooner rather than later. I don't want to find her. My heart can't take another kicking. I never want to see her again. She ruined me. I can't. You need closure, John. Face to face. Nothing else is going to make you feel better. I promise you that. I just can't say no to you, Bruce. Oh là, le retournement est spécial. You gotta keep an eye on this guy. That Wayne charm gets him every time. Son retournement est bizarre. How to spin things. All the right ways to. Il est en train de dire qu'on le manipule. It's going to take me a few hours to find her. I have to check a few places, do some. Okay, we'll come with you. No,
You won't. There will be plenty of time for John and Bruce later. This is... I need to do this alone. I'll call you when I find something. Wait, hold on. We'd really like your help, John. Are you sure you won't reconsider us coming with you? I did, and it's a hard pass. We're coming with you. You're being a real jerk, Bruce. When you first walked through that door, I honestly thought you came here to check on me. Je voulais rester avec toi. Bruce. Oh, wax. Bye. Oh. Ça pue. Du coup, il ne fait plus confiance du tout. I'm going to track down those vials in the agency's cold storage. Be careful. Thanks. Moi, je voulais juste pas qu'il se sente abandonné, le pauvre. Alfred, how's the bio? Je fais confiance, c'est pas la question. I should have it ready for you when you arrive. I'm on my way. Il avait l'air pas bien. Déçu, disappointed. Et du coup, il pense quand même qu'on n'est pas venu pour lui alors qu'on voulait venir avec. Il l'a mal pris. Bon, par contre, on va peut-être s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là, les amis. Calmons-nous. Calmons-nous. Parce que ça fait un petit moment, finalement, que l'épisode tourne. Donc, on va s'arrêter là. Bon, on a fait plein de mauvais choix, je pense, dans cet épisode. Typiquement, avec John, là, on vient de tout niquer, pour être poli. On vient de tout gâcher, pour être encore plus poli. Pour être, oh là là, parfait. Je crois que là, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il ne nous fait plus confiance. On a essayé de l'accompagner parce qu'on a supposé... Évidemment, j'aurais dû lui dire, je te fais confiance, parce que c'était tellement obvious comme choix, mais moi j'étais en mode, si je dis je te fais confiance, au final, le mec, il va rien en avoir à taper, et il va croire qu'on l'abandonne, quoi. Donc je te fais confiance, vas-y, démerde-toi tout seul, en gros. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Je te fais confiance, démerde-toi tout seul, de toute façon, c'est ce que tu veux, moi je m'en tape. C'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, moi je voulais l'accompagner pour lui montrer finalement qu'il avait de l'importance pour nous et qu'on ne voulait pas le laisser seul dans la galère. Mais non, il l'a pas compris comme ça, il l'a même très très mal pris. C'est bien dommage. Bien dommage, et en plus il pense quand même qu'on n'est pas venu pour lui alors qu'on voulait l'accompagner. Donc on s'est complètement enfoncé. La gifle, c'était juste pour le plaisir. J'étais en mode... Ça, on a joué bourrin depuis le début, en mode gros sac, quoi. On a fait le bourrin du début à la fin. C'était quand même terrible, hein. Bon, du coup, je l'ai giflé parce que je pensais qu'il fallait lui remettre les idées en place et finalement, j'aurais peut-être dû jouer le mec compatissant du début à la fin, mais c'était tellement facile comme chose, tellement obvious, quoi, genre en mode « Oh, t'inquiète pas, je suis gentil, machin, j'essaie d'aller avec toi. » Mais il est pas dans un truc où je pense qu'il accepterait notre pitié, quoi. Donc du coup, je l'ai pas joué comme ça, j'ai fait des mauvaises suppositions, je pense. Et là, à mon avis, il va très très mal le prendre, le mec il s'est barré en courant complètement, donc ça va mal se passer. Ça va très mal se passer, il va s'en souvenir, en plus c'est marqué, donc très mauvais choix, si ça avait été un choix sans impact, ça aurait été beaucoup mieux. Et finalement, non. Là, ils vont dire, John va être blessé, que vous ne lui ayez pas fait confiance. Bref, ça va être terrible. Tant pis, de toute façon c'est fait, hein. Je vais pas juste recommencer pour dire qu'on change ce choix. Aucun intérêt. J'ai trouvé l'épisode quand même relativement speed, de manière générale. On va vite faire venir sur 2-3 éléments, typiquement le combat du plaisir, on va pas revenir dessus parce que je pense avoir pu dire tout ce que j'avais à dire. Si, je peux revenir un petit peu sur le personnage de Freeze puisqu'on a pris la décision de le sauver. J'en ai un peu parlé pendant l'épisode, donc du coup je voulais juste ajouter le fait qu'on l'a sauvé parce que pour moi le personnage est vraiment intéressant parce que en fait je crois que j'ai tout dit dans l'épisode, mais le personnage est vraiment intéressant, m'intéresse beaucoup. C'est un personnage que j'aime bien dans l'univers de Batman, que j'aime même particulièrement parce que je trouve son objectif noble, entre guillemets. Son objectif est noble, même pas entre guillemets, puisqu'il veut juste sauver sa femme, ça c'est son objectif, donc on peut pas juste cracher sur le personnage en disant « Ouais, c'est un vilain qui veut juste... c'est un vilain parce que c'est un vilain, quoi. » Non, c'est un vilain qui a un vrai objectif, qui a un objectif noble et qui a pris des mauvaises décisions et qui l'ont mené à devenir mauvais. Et évidemment, il y a tout le contexte aussi autour du fait qu'il est entre guillemets ce qu'il est. Mais c'est quand même un personnage qui a un objectif noble. Et c'est pour ça que je l'aime bien, même si je cautionne pas ce qu'il fait. Ou alors, elle s'enfonce de pire en pire, on découvre petit à petit. Ça se trouve, ils vont complètement nous reprendre à Bruce Poil, ce que j'étais en train de dire. C'est carrément, ils vont nous faire croire que Waller, c'est la gentille à la fin. Et en fait, la vraie méchante, vous allez voir, ça va être... comment s'appelle-t-elle déjà ? Mince, ça y est, j'ai oublié le nom de notre compagne de galère, là. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Ça va être l'autre, du coup. Celle qui nous accompagne.
Ça va être elle la méchante, vous allez voir, et au final ça va pas du tout être Waller, ça serait terrible, mais le truc c'est que Waller, je l'aime pas à cause de la vision que j'ai d'elle du comics. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, tous les points que moi je connais du personnage, eh ben, ils se raccrochent au personnage qui est développé dans l'univers de Telltale. Donc les a priori que j'ai déjà, ils se reflètent dans ce que je suis en train de vivre dans Batman de Telltale série. Et du coup, je peux pas l'apprécier parce que je ne l'apprécie pas déjà dans l'œuvre du comics vis-à-vis de ce qu'elle est, vis-à-vis de ses motifs, enfin, vis-à-vis de la façon dont elle agit, vis-à-vis de la façon dont elle traite les gens, vis-à-vis de la façon qu'elle, enfin, vis-à-vis de l'irrespect total qu'elle a de l'être humain, etc. Et tout le background autour d'Amanda Waller. Je vous invite d'ailleurs à consulter 2-3 wikis ou ce genre de choses sur le personnage pour en apprendre un peu plus sur elle. Mais clairement, c'est une pourrie. Et là, contrairement à des personnages comme John Doe qui sont complètement différents, ou même Harley Quinn qui sont complètement différents finalement quasiment de l'univers du comics, et au final j'ai absolument quasiment rien à quoi me raccrocher par rapport à ces personnages qui sont complètement différents, bah Waller c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que du coup, étant donné qu'elle agit un peu comme ce que je m'attends à ce qu'elle agisse en tant que personnage d'Amanda Waller, j'ai mes a priori qui 15 fois, ça va être terrible si je continue. J'ai mes a priori qui sont exactement les mêmes, qui sont exacerbés finalement par la vision que j'ai déjà du comics. Bref, on va arrêter sur Amanda Waller parce que je pourrais disserter toute la soirée sur ce personnage. Pour John Doe justement, là où c'est un peu l'inverse, c'est que pour moi le personnage est pas du tout le même que celui du Joker que l'on connaît. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est le pré-Joker. C'est un petit peu la chenille. En fait, si vous voulez, pour moi, le début du jeu, enfin, notre début de la rencontre avec John Doe, c'est la chenille. Et je pense que là, on est dans la phase chrysalide un petit peu du personnage, c'est-à-dire qu'il commence à plus nous apprécier. Là, il y a eu l'élément perturbateur avec Harley Quinn qui l'a abandonné et tout. Donc ça va être la partie chrysalide où il va être en train de se forger, à mon avis. C'est comme ça, hein, c'est juste une supposition, mais à mon avis, là, on est sur la partie chrysalide du personnage. Et puis à la fin de cette série sur The Enemy Within, j'ai bien envie de croire que le cocon, mais juste à la fin de cette série, que le cocon va éclater et que le personnage va se révéler en tant que papillon et donc va être le Joker que l'on connaît. Maintenant, je sais pas comment le personnage d'Harley Quinn va évoluer vis-à-vis de ce personnage-ci, justement. Comment elle va évoluer par rapport à John Doe? Est-ce qu'il va briller par son évolution et du coup elle va être submergée par ce personnage comme elle l'est dans la version originale du comics ou pas? On verra. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que lui, contrairement à Harley Quinn... contrairement à Amanda Waller qui ressemble beaucoup au personnage que l'on connaît, même s'il y a des divergences et tout, mais ça ressemble, elle ressemble quand même globalement dans l'ensemble, c'est génial, au personnage du comics. Là, avec John Doe, c'est l'inverse, et c'est plus un petit peu comme dans la série Gotham, c'est vrai que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage, c'est un peu comme dans la série Gotham, c'est un petit peu les origin story, enfin moi je le vois comme ça, hein. C'est un peu les origin story du Joker, et du coup, l'origin story du Joker vis-à-vis de cette partie de The Enemy Within, et du coup je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que même s'il y a des divergences, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où on repart vraiment quasiment d'une toile blanche pour arriver du coup au Joker. Ça c'est cool. Pour le personnage Harley Quinn c'est plus compliqué parce qu'ils essayent un petit peu, comme je vous dis, de justifier un petit peu sa folie, tout ça, et ça me plaît un peu moins. Ça me plaît un peu moins parce que pour moi la version d'Harley Quinn c'est pas celle-ci. Et même si j'aime beaucoup, alors... Là, c'est surtout ce point-ci qui m'a un petit peu dérangé, même si j'aime beaucoup le personnage de Telltale, dans le sens où je trouve que enfin le personnage d'Harley Quinn montre un petit peu plus de force, et pas juste de la folie, mais un petit peu plus de force, par rapport à l'œuvre originale du comics, où elle est un petit peu moins mise en avant, même si elle a un comics dédié, où du coup, elle fait montre de beaucoup plus de force, mais elle est quand même pas aussi badass que là, dans l'œuvre de Telltale. Où elle est peut-être un peu moins dans la folie, mais elle est plus dans la badassitude, je sais pas. Ça, pourquoi pas, c'est intéressant. C'est intéressant sans être forcément exceptionnel, hein. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est intéressant sans que ce soit forcément exceptionnel, mais c'est quand même cool de voir le personnage d'Harley Quinn au-dessus du Joker, qu'ils aient un peu inversé la relation entre les deux personnages, je trouve ça rigolo, en soi. Maintenant qu'ils essaient de justifier sa folie, machin, et vous me direz, c'est peut-être aussi sa phase chrysalide, entre guillemets, il nous justifie sa folie, puis à la fin, elle va complètement péter un câble, et elle va tomber sous le charme de John Doe, on va voir, ça se trouve, ils vont peut-être complètement retourner le truc comme ça, et inverser les relations entre le personnage avec John Doe qui pète un câble à cause de tous les événements, le fait qu'on les trahit, tout ça, basta, on s'en fout. Tous les événements par A plus B qui vont probablement se passer, qui vont rendre le personnage Joker. Et au moment
où il va se rendre Joker, du coup, elle va sombrer dans sa folie et elle va être subjuguée par le Joker, pourquoi pas. Moi, c'est la vision, c'est les suppositions que je fais, on verra. On verra si l'avenir me donne raison. Mais en tout cas, j'aime bien leur relation à ces deux-là. Bane, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Bon, y a pas grand-chose à dire sur le personnage, en vrai, c'est Bane, quoi. Le mec est complètement drogué au Venom, et puis c'est un bourrin, hein, voilà. Voilà, y a juste pas grand-chose à dire. Et c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode les amis. Si celui-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo également, à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront comme d'habitude en description sous la vidéo. Bon visionnage à vous, c'était Katast et ciao. Ciao.